Les Journées du patrimoine représentent aujourd'hui un grand événement populaire et médiatique en faveur du patrimoine naturel et bâti. Elles célèbrent cette année leur 10e anniversaire. Les Journées du patrimoine s'intègrent dans un vaste mouvement de prise de conscience des autorités européennes à l'égard du patrimoine. Vu le succès remporté par les journées portes ouvertes de monuments historiques en France et aux Pays-Bas dans les années 80, le Conseil de l'Europe met au point les modalités d'organisation d'une journée européenne du patrimoine. La communauté française, la région de Bruxelles-Capitale, la région Wallonne et la Fondation Roi Baudouin décident de lancer le 21 mai 1989 la première journée du patrimoine. Elles visent à sensibiliser le public à la richesse du patrimoine et à sa protection. La jeunesse est également sensibilisée grâce à un grand concours à la recherche d'un monument en péril. Avec la deuxième édition, la brochure est commune à la Wallonie, à Bruxelles et à la communauté germanophone. La journée du 9 septembre 1990 est inscrite dans le cadre des fêtes royales, les 60 ans de Sa Majesté le roi Baudouin et les 40 ans de son règne. 500 activités permettent de visiter des édifices publics et privés, des sites archéologiques, des musées, des chantiers de restauration, des réserves naturelles et des ateliers d'artisans. La jeunesse est particulièrement choyée avec la publication originale de « Ma mémoire raconte des histoires » et le concours à la recherche d'un monument en péril. La journée du patrimoine 1991 confirme son succès populaire en région wallonne. Activités et animations s'enrichissent et se diversifient. Des contacts se nouent avec nos voisins pour assurer des circuits transfrontaliers.
Le 13 septembre 1992 est placé sous le signe du patrimoine bâti, avec les portes, portails, portiques comme fil conducteur. Des collaborations se poursuivent avec les régions limitrophes. Des activités spécifiques sont proposées à la jeunesse, ainsi qu'un nouveau concours, Notre école et son cadre, pour les classes primaires et secondaires. Le millésime 1993 s'avère important. Les journées du patrimoine sont les premières à occuper totalement le deuxième week-end du mois de septembre sur le thème des jardins et des espaces publics. 1993 voit également la création d'un secrétariat permanent de la journée du patrimoine, dépendant de la division des monuments, sites et fouilles du ministère de la région wallonne. Les visites de grands chantiers de restauration attirent généralement un public important, attentif aux nombreux problèmes liés à la restauration de monuments. Le pavillon chinois du parc d'Arambert, à Enghien, a ainsi intéressé de nombreux visiteurs. Les grandes demeures privées ou publiques drainent toujours la grande foule. Le château de Jehet, au très bel appareillage en damier, n'a pas dérogé à la règle. La sixième édition des Journées du patrimoine, 1994, a mis à l'honneur le patrimoine industriel et social wallon, antérieur à 1940. Ce sujet original a attiré un large public à découvrir les principaux sites et bâtiments industriels qui marquent notre paysage culturel. L'objectif était de renouer avec un riche passé et avec le savoir-faire qui a porté la renommée wallonne à travers le monde entier. Libanais et nous sommes venus ici à Marcinelle, donc chez lui, et nous sommes présents ici pour venir visiter certains patrimoines de la Belgique. Ceci nous intéresse beaucoup pour connaître mieux le pays que nous accueille. Alors pourquoi avoir choisi Marcinelle? Effectivement, parce que bon, Monsieur Ferrand habite à Marcinelle. Hier, nous avons visité la caserne du 2e régiment des chasseurs à pied. C'est très intéressant. Je trouve que la journée du patrimoine est une très belle occasion pour visiter des choses qu'on ne peut pas visiter généralement ou habituellement. Comment dirais-je, on vous êtes d'abord un petit peu mis sur le dos comme ça, mais il y a le développement de champion. Les organisateurs ont volontairement mis l'accent sur la reconversion du patrimoine industriel.
Eh bien, moi, je suis ici parce que je suis avant tout conservateur d'un musée Armand Pellegrin au Pélissama. Il est signe maintenant donc, du nom de l'entité. Et deuxièmement, parce que je m'occupe du patrimoine depuis toujours. Je ne vais pas exagérer, depuis 40 ans, je veille au patrimoine dans mon milieu local et régional. Et ce qui m'a poussé à cela, c'est tout simplement parce que je suis un ancien instituteur, devenu chef d'école et directeur des écoles. Et donc, mon milieu m'a passionné et est à défendre. En 1995, les Wallons étaient invités à s'intéresser au patrimoine civil public. La sensibilisation portait sur la protection de ce patrimoine collectif et sur sa transmission aux générations futures. La jeunesse a pris une large part à cet événement en accueillant ou en guidant les visiteurs dans certains monuments et sites particulièrement symboliques. L'adoption de ces monuments et sites marquait l'aboutissement d'un long travail documentaire. Après ce week-end, assez fatigant d'ailleurs, nous étions très heureux d'avoir accompli cette démarche originale, amusante, passionnante et enrichissante. Chacun d'entre nous gardera un souvenir exceptionnel des journées du patrimoine. Et pour de prochaines entreprises de ce genre, nous sommes preneurs, comptez sur nous. Bravo! Le thème des journées du patrimoine 1996 portait sur le patrimoine en milieu rural. Accueil, visites guidées et circuits, on donnait l'occasion d'apprécier cette architecture wallonne si justement intégrée dans le paysage par sa grande sobriété, la retenue de ses couleurs et la mise en œuvre de ses matériaux naturels. Un programme spécifique à la jeunesse prenait pour cible les valeurs et les enjeux de la préservation de notre héritage commun. L'opération « Adoptons un monument, un ensemble architectural ou un site » a remporté un franc succès. Plus de 126 écoles primaires et secondaires participaient à l'événement. La colline un peu plus loin, là-bas au Ropté, il y a encore des traces d'une exploitation. Et on cherchait de la barite. Et la barite, c'est un minéral très lourd qu'on trouve parfois dans le calcaire. Et quand on en trouve, c'est toujours dans le même banc. Alors on a suivi le banc rocheux, pour exploiter probablement la barite ici. Peut-être est-ce du minerai de fer, je n'en sais rien. Faudrait faire une recherche. Allez, trop vite,
Le désormais traditionnel rendez-vous de septembre proposait en 1997 de partir à la découverte du patrimoine archéologique. Nous sommes dans une minière qui fait partie d'un ensemble minier ici à Petit-Spienne. Et nous sommes dans une minière préhistorique qui est creusée jusqu'à 8 ou 10 mètres de profondeur. L'ensemble des minières de Spienne remonte grosso modo à partir de moins 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à un peu avant le début de notre ère. Le public était convié à visiter des sites archéologiques déjà fouillés. D'autres sites restaurés ou reconstitués sont des lieux privilégiés pour l'expérimentation. Si je frappe un angle supérieur à 90 degrés, je peux frapper tant que je veux, je ne serai pas tiré des. Donc vous devez choisir. Laissez-moi regarder, parce qu'il y en a qui sont Le week-end du patrimoine visait également à présenter le métier d'archéologue et les sciences annexes de l'archéologie. L'exposition itinérante « Idées à creuser » a diffusé ce thème partout en Wallonie. L'archéologie du bâti était également présentée. Le spécialiste effectue une lecture archéologique du bâtiment et en reconstitue son évolution. Des visites à caractère exceptionnel étaient programmées, ainsi que des activités de sensibilisation à la jeunesse et des parcours transfrontaliers. Coïncide avec le 10e anniversaire des Journées du patrimoine. Cette année, on fera donc la fête au patrimoine. Des lieux chargés d'histoire et de culture vous ouvriront leurs portes. Des lieux qui, par leur ancienneté ou la beauté de leur cadre naturel, se prêtent au délassement, à l'agrément et à la fête.
Les journées du patrimoine rythment désormais la vie culturelle de la Wallonie. Elles constituent un événement populaire sans précédent. Que tous les bénévoles qui animent ces journées soient vivement remerciés.